Le général Abdelgani Amel, ex-directeur général de la Sûreté Nationale, DGSN, a rompu le silence et s'est exprimé pour la première fois depuis sa mise à l'écart, sur les colonnes du journal électronique TSA. Le général a d'emblée démenti les informations sur sa convocation par le tribunal militaire de Blida. L'ex-directeur de la Sûreté Nationale démente aussi détenir des dossiers relatifs à la corruption en Algérie. Je n'ai reçu aucune convocation de la justice militaire et je ne détiens aucun dossier de corruption, a-t-il affirmé à nos confrères de Tsa. Concernant l'affaire de saisie d'une quantité de 720 cages et de cocaïne, appelée l'affaire El Bouchi, où le nom d'Amel et ceux de son entourage immédiat ont été cités par plusieurs journaux, le général réfute toutes les accusations et affirme son entière confiance dans la justice algérienne pour faire son travail en toute souveraineté. Point. Salut la décision du général Gaïd Salah d'ouvrir les dossiers de corruption. Abdel Ghani Amel considère salutaire la volonté du général Gaïd Salah pour la réouverture des dossiers concernant la corruption. Il se réjouit des derniers développements dans le secteur judiciaire pour que la justice retrouve toutes ses prérogatives. Le général Amel déclare soutenir le chef de l'état-major des armées, je soutiens et je salue la décision du chef d'état-major de l'AMP d'ouvrir les dossiers de corruption au niveau de la justice pour que tout le monde rende des comptes. Il faut rappeler que le général Abdelghani Amel avait été démis de ses fonctions de directeur des GSN le 26 juin 2018 par l'ex-président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Sa mise à l'écart est intervenue au moment où une grosse affaire de trafic de cocaïne avait éclaté et avait mis en cause plusieurs hauts responsables de l'État algérien. <t 'en>